Alors, Frédéric, alors, tu vas te mettre là. Je vais là. Moi, je vais mettre là. Ok. Et est-ce que tu sais comment ça s'épluche? Oui. Alors, vas-y. Il me semble me souvenir. Alors, tu fais ça. C'est ça. Alors, ouais, ça c'est correct. En fait, si tu veux, t'as des, c'est ce qu'on appelle les pétioles là, en haut là. Ouais. Tu vois? Et ici, là, c'est notre poubelle. Hein. Attends, enlève les pétioles au départ. Ouais. Que du haut, tu vois, parce qu'après, on va éplucher, tu vois, ici, là, tu fais ça. Hop. Ouais. Ok. Ici. Juste sur le haut. Ah, ça, tu vois, je savais pas. D'accord. Et en même temps, tu tournes, tu vois, c'est pratique, regarde. Tu fais ça. Je suis pas complètement ridicule, en fait. Tu vois, après, t'as un petit bouquet comme ça. D'accord. Ok. Et là, on va casser la queue. Bah oui. La queue d'asperge, on la casse. D'accord. Et ici, hop, tu vois, tac. Attends, j'ai pas enlevé les. J'ai pas enlevé encore le. Voilà. Alors l'asperge verte. Oui. Contrairement à la blanche, on a fait que les 5 premiers centimètres et puis on a épluché. Tout à fait. On va descendre avec les pétioles jusqu'ici et on va juste éplucher le bout comme ça. La taille de l'asperge a une importance, Damien? Non. Non, non. Ça n'a pas d'importance. On va les cuire à ce qu'on appelle à l'anglaise. Donc, cuisson à l'anglaise. Eau bouillante, salée, d'accord, et pas mal de sel. Ouais. Et on va les pocher en fait. Ah d'accord. Et on va les cuire de manière. Ça c'est que pour les blanches. Voilà. D'accord. En fait, moi je préfère des asperges blanches parce qu'il y a l'amertume, les cuire dans de l'eau ou vapeur un petit peu pour pas les corser. Ouais. Pour les enlever cette amertume. Ouais. Par contre, l'asperge verte qui est un petit peu plus sucrée, je préfère la faire à la poêle comme des asperges sauvages, etc. D'accord. Voilà. Ok. Il y a un des très très grands classiques de la cuisine d'Escoffier, c'est les asperges sauce maltaise. Alors sauce maltaise, on va la faire. C'est un sabayon, d'accord, et qui est à base de réduction d'orange sanguine. J'ai un peu zappé le presse-agrumes. On va le faire un peu à la barbare. Ah, d'accord. Donc, c'est barbare, quoi la barbare alors? Bah, c'est avec les mains, tu vois. Un peu, on saute à pieds joints dans une bassine? Non, c'est pas ça. Putain, mais ça fait ouais, mal. Ouais, non. J'ai Frédéric, ça va. Hein. Ah oui, c'est au coup de boule, c'est la Zidane. On va faire comme ça, d'accord. Allez. Ah oui, d'accord. Ah, en fait, c'est encore... Tiens, tu veux pas le faire, toi? Toi, tu soulèves 425 kilos. Ah, si, ouais, ouais. Vas-y, fais nourrir. Vas-y, elle soulève des centaines de kilos, vas-y. Elle est arrivée, non? 425 kilos, elle soulève, elle s'imaginait. Vas-y, à la main. Ah, vas-y. Alors, non, regarde ça. C'est Hulk. Si tu veux jamais avoir de coquilles dans ton ouais, saladier. Ouais, ça, je veux bien. Alors, ouais, j'aimerais bien savoir. Apprends-moi le truc. D'accord. Parce que ça, je merde à chaque fois. Systématiquement, quand tu vas casser comme ça, en fait, ouais, tu vas provoquer une cassure qui sera pas franche. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est casser à plat. Pas trop ah fort. Bon ouais. Ah, d'accord. Et le fait de faire ça. Après, moi, j'y vais. D'accord. Ouais, vas-y. Et après, tu auras jamais de coquille. Ah, parce que tu l'as précassé à plat. Ouais. C'est vu que c'est pas complètement. Et en fait, le fait de fissurer la coquille à plat fait que t'as jamais de coquille dans tes blancs d'œufs. Ah. Et par contre, contre le saladier, systématiquement t'en as. Ah. Alors ici, on va cuire les blanches, d'accord. On va saler, c'est toi qui vas saler l'eau. Et tu vas être obligé de goûter l'eau parce que ce qui est important, c'est d'avoir une eau. Très salée. Assez salée, ah ouais, bon vraiment. Vraiment. Est-ce que vous voulez qu'il goûte l'eau et le doigt? Ouais. Ouais. Attends, nous. Ah, mais non, il y a que des psychopathes ici en fait alors. T'es à Reims, ah ouais. Hein. Nous on prend pas une cuillère, on fait. Oui, elle est pas comment mal. Comment tu fais alors? Bah, en cuisine, tu fais ça. Ah non. Alors, est-ce que tu peux. Oui. S'il te plaît, cuire les asperges à l'anglaise. Alors, tu prends les asperges à l'anglaise, blanche. C'est donc les blanches dans l'eau bouillante. Eau bouillante. Eau bouillante, salée. Bien salée, après t'as brûlé les doigts. C'est ce que tu m'as dit, hein. Donc, tu les mets comme ça, tu ouais, les prends... tout simplement. Enfin, tu vas te brûler si tu les jettes. Oui, il faut les déposer. Ouais, si tu les poses tranquille, tu vas pas te brûler. Et d'ici? Non. Non, non. Si je fais ça, c'est bon. C'est bien. Bravo. Et ici, regarde. Et ça, ça crame pas, là? Non, ça réduit. D'accord. C'est vrai? Regarde. Ah ouais. D'accord. Et ici, regarde. On va mettre une cuillère à soupe de jus d'orange. Ah, la fameuse sanguine. Voilà. Ouais, enfin, sanguine, ouais. Sanguine à deux balles, d'accord, ouais. Tu mets une cuillère à soupe par jaune d'œuf. Quand t'en as mis quatre. Voilà, donc il y avait combien de jaunes d'œufs? 4. Bravo. On vérifie la cuisson des asperges. On vérifie la cuisson. Bon, on fout rien, quoi, d'accord. Alors, vas-y. Alors, non, tu veux dire, mais quand tu. Ah non, c'est au couteau que tu. Vas-y. Hein, ah oui, c'est pas. Si... Pourquoi tu m'as donné ça? Bah, pour lever l'asperge. Parce ah, pour lever l'asperge, voilà. Ah, d'accord. Non, une seule, je pense, à... tu vas avoir assez. On sent déjà l'odeur. Mais il faut pas longtemps alors. Ça, c'est un œuf qui est cuit, un œuf bio, une heure à 65 degrés au four, d'accord. Faut juste avoir un four assez précis, d'accord. Et ce qui n'était pas tout à fait le cas ici, parce qu'on n'avait pas de degrés, etc. Donc si vous avez un four précis, une heure à 65 degrés, vous les mettez dans la coquille comme ça. Et après, on le casse comme un œuf. Ici. Y a quelqu'un? Ah oui, non. Ok. Voilà, le voilà. Ça, c'est un œuf parfait.
Bah écoute, ça me paraît bien. On va se moquer. C'est bon ? Ouais. C'est top, hein. Ouais, super. Alors en général, tu sais, la partie la plus dure, la partie la plus dure, c'est toujours ici. Hein. Oui, vers alors, la queue. Après, comme on les retravaille ici, mais là, tu vois, c'est une cuisson parfaite. Regarde, tu vas me faire un petit mélange de graines ici. On va faire quelques graines à sec, d'accord ? Alors, ça, là ? Ouais, on t'a acheté plein de graines. Tu mets ce que tu aimes. Oui, d'accord, c'est mon côté poulet de basse-cour, ça. Voilà. D'accord. Allez, vas-y. Donc, je mets un peu de tout ? Bah, ce que tu aimes. Ça, c'est la pistache. Voilà. Non, ça, c'est de la graine de moutarde. D'accord ? Ah, c'est la graine de moutarde. Ouais. Graine de moutarde. Oui. Ça pique ? Pas encore. En fait, ça pique en torréfiant. Ouais. Moi, j'aime bien, tu vois, les griller, les torréfier, tu vois. Vas-y. Fais sauter ça. Ok. Et tu m'as pas posé de questions sur mon œuf. Pourquoi il était parfait ? Parce que c'est toi qui l'as fait. Voilà. Non, ça suffit pas, ça. D'accord ? Là, ça commence à devenir un petit peu sirupeux. D'accord ? Ouais, alors je vois plus rien que les lunettes. Hein. Merci, sympa. Et ça, tu vas servir à quoi, les graines ? Tu vas les mettre dans ça, quoi ? Ça, on va les rajouter sur les petites asperges. Ah, d'accord. D'accord ? Et c'est ce qui va apporter un côté un petit peu torréfié, tu vois ? Et ici, tu vas attaquer la cuisson, je te fais bosser, hein. Ah ouais, la cuisson des asperges vertes, d'accord ? Oui, vas-y, alors ça, c'est ça met dans le bousin, là. Voilà, tu les coupes en deux, non, ou pas ? Ça ne rentre pas dans la gamelle. Non, ici, on va les faire. On va là-dessus, là-dessus ? Ouais, vas-y. Bon, alors viens, viens, gamine. Viens, attends, viens. On va mettre de l'huile un petit peu. Viens, viens, gamine, va. Tu verras, ça va bien se passer. Allez, fais pas ta difficile. Allez, viens avec papa. Ah bien. J'ai mis pas mal d'huile, mais bon. Allez, on n'a rien vu. C'est vrai ? Il y en a trop ? Non, wow, non, ça va. Alors là ça c'est typique de la personne qui se brûle en mettant un steak ou en mettant etc. Parce qu'en fait on voit que t'as peur. Et en fait regarde, tu te brûles parce que t'es éclabousse. D'accord ? Et là le crépitement que t'entends c'est l'eau en fait. Ouais je sais, donc, faut attendre que ça se termine. Non en fait il faut poser, regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment ça se fait que t'es pas piqué ? Comment ça se fait que ça te brûle pas ? Bah, j'ai été un peu piqué pour être franc. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pire si tu jettes parce que tu vas éclabousser. Ah d'accord. D'accord ? Ouais, après on va jeter des graines dessus, tu vois. Ici, regarde. C'est pas assez cuit, non ? Bon, on y est presque. On y est presque ? Alors je vais augmenter pour que ça crépite un peu. Oui, pour bien je me crame les mains, ouais, super. Oh non, mais non. C'est un boss. Regarde. J'ai pas que des amis autour de moi, hein. Putain. T'as remarqué ? Ouais. Ah, on y va ici. Ah oui, tiens, là. Ici, ah, vas-y. C'est dans ce sens-là, ce truc. Bon, on va essayer. Ah ouais, c'est vu. Ça. Non, y a rien qui coule là. Attends. C'est quoi cette connerie ? Il y a un couvercle. Excusez-moi. On peut aussi. Hein. Là, on coupe l'image. Ouais, on recommence la scène, d'accord ? Ils font semblant de tourner, hein, je veux dire. Top. Ils vont pas s'emmerder. Là, mets-moi un petit peu de sel. Ouais. Vas-y, là, fleur de sel. Clac. C'est au moins ça. Et ça, à l'apéro. Avec des copains, cacahuètes. Ah ouais ? Ça c'est super bon. Ah ouais, c'est pas con ça. Voilà, d'accord ? On met ça dedans. Oh putain, ça. Et là t'en as pour une deux. Regarde. Ce qui est formidable, c'est qu'on sent plein de goût, plein d'odeurs avec des produits assez simples en fait. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça qui est génial. Et là maintenant, c'est toi qui vas bosser encore. Tu vas fouetter pendant des heures. Vas-y. D'accord, voilà. En fait, le parfait, il a cuit à 65 degrés pendant une heure, d'accord ? Et si je le prends ici, si je le coupe, d'accord ? Il est cuit cet œuf. Il est cuit. Ici, le jaune d'œuf il est cuit mais crémeux. Et le blanc est cuit. Ah, génial. Sauf que c'est un œuf dur, hein, si vous voulez. Pour moi, c'est un œuf dur, ça. C'est pas ça qu'on appelle mollet ? Non. Ah non, parce que mollet, tu aurais le cœur coulant. Il y a le cœur coulant. Là, c'est un œuf dur. Hein. Je vous ai fait un œuf dur. À 65 degrés pendant une heure. Le jaune, personne ne peut dire qu'il n'est pas cuit. Et le blanc, il est parfaitement cuit. Sauf que le blanc, il n'est pas caoutchouteux. D'accord ? Et le jaune, il est encore crémeux, mais il est cuit. D'accord ? Allez. Là, on a le sabayon. Et en fait, regarde, si je faisais un 8, on voit la trace du feu au fond. Ça veut dire qu'on pourrait aller plus loin, mais là, on va. D'accord ? Et ici, on va incorporer du beurre fondu. Ce qu'on appelle du beurre clarifié, d'accord ? Et là par contre, autant tout à l'heure tu as cherché à rentrer des dollars. Là, c'est que du beurre que t'as mis ? C'est que du beurre. Il n'y a rien d'autre que du beurre. Alors là il a figé parce qu'il fait un peu froid. Bien sûr. Mais vas-y. Et là on va l'incorporer comme une mayonnaise. Voilà, geste mayonnaise. Ah non, là tu tournes. Tu cherches plus à rentrer d'air, voilà. D'accord ? Alors là, si t'es au régime, si tu fais gaffe, tu mets 2 cuillères. Et puis si t'habites à Reims où il fait froid, bah, tu mets 4. D'accord ? Voilà. Par contre ici, on n'a pas mis de sel. D'accord ? Donc on va ici assaisonner.
D'accord ? C'est important, hein, c'est super important. Ok ? Regarde, tu vas mettre tes asperges blanches. Alors, on va dresser, regarde. Un petit peu, tu sais, on va faire un petit, comme un petit mikado, un peu. D'accord. Toujours ça, hein ? Bah. Hein, à un moment donné. Hein ? Ah, j'aime le volume. Waouh ! Le style ! On voit que t'as fait Top Chef, hein ? Regardez, mais il s'est. Ah oui. Alors toujours pointe vers le haut. Ça fait un peu, tu sais, le nid de Pâques, tu sais. Un peu de piment d'Espelette. C'est pas mal, tu as une petite entrée comme ça. Super. Ça on est sur la saison. Je vais faire ça à mes potes. Alors, en général, on fait pas comme ça. Ah bon ? Jamais. Parce que tu peux être maladroit. Enfin, le doigt, c'est ce qu'on a le plus précis, hein. D'accord ? Voilà. Regardez. Ah oui, c'est raison, c'est plus ça, ce que vous voyez, c'est des années d'expérience. Hein. Vous croyez que c'est facile, mais pas du tout. Hein. Parce que, vous allez voir, c'est un moment rare que vous allez vivre. Hein. Je m'écarte. Et t'arrêtes de bouffer. Par contre, c'est toi qui vas rajouter la touche finale. Oula. Il a craqué. Je suis dans la création, là. Si, c'est joli, franchement. Ouais. Wow. Ouais, enfin, là, ici, ça, c'est dégueulasse. Là. Non, ce qu'il faut penser aussi, tu vois, des fois, il y a des assiettes très graphiques. Mais ce qu'il faut penser, c'est que ce soit bon, qu'il y ait assez de sauce, quoi. Donc là, on va mettre une petite saucière à part, tu vois. Et là, tu m'amènes des petits croustillants, là, regarde. Oui. Hop. Et là. Et donc, ça se mange, alors, donc. Non, ça se mange pas. Ouais. Non, c'est une assiette décorative. Là, un petit peu de zeste. Ah, d'accord. Ah, c'est génial. Hop. Ça, c'est l'œuf parfait pour José. Merci beaucoup. Bon, c'est toi, je t'en remercie. Ah, c'est top. Merci, voilà, messieurs, dames. C'est voilà. Son œuvre. Si vous voulez garder vos amis, voilà ce que je vous propose. Et tu l'appelles ça l'œuf parfait, c'est ça ? Pour José. Non. Non, c'est génial. L'œuf parfait, asperge et. Allez-y, vous pouvez. Plaisir de faire, joie de recevoir.